Hello mes petits diamants papillons, alors on se retrouve pour la troisième vidéo de cours sur je débute la couture, comment démarrer. Je vérifie du coup ouais, si le son est bien enclenché parce que je vous avoue que je viens de tout filmer, sauf qu'en fait je ne filmais pas. Donc du coup vous risquez de ne pas tout comprendre, mais ça va aller tout seul comme sur des roulettes. Donc du coup, si vous n'avez pas encore vu la vidéo numéro 2, je vous conseille d'aller la voir vu qu'il y a pas mal d'informations que vous aurez besoin. Alors, du coup, j'ai été chercher le... Enfin, j'ai été chercher, j'avais déjà le tissu. Donc, il vous faut 50 cm de tissu. Moi, j'ai pris du tissu dentelle comme ceci. D'accord? Et alors, pour les finitions, j'ai pris des petites bouboules. Des petites perles que j'adore, que j'ai trouvées chez un savon Textilia. À Farciennes et j'adore sincèrement. Donc voilà, en gros vous allez avoir besoin de quoi? De votre tissu, des petites finitions, ça vous prenez ce que vous voulez. Ensuite des patrons qu'on a fait lors du cours numéro 2, pour celles qui ne l'ont pas fait, vous allez trouver le lien en barre d'infos et juste ici au-dessus. Donc de votre paire de ciseaux, des épingles et de votre feuille PDF que je vous ai donné juste sur mon groupe l'atelier couture Fly Diams. Donc pour celles qui ne savent pas, vous recevez les patrons gratuitement, les PDF gratuitement dans mon groupe en fait. Comme ça, ben, la seule condition est d'être abonné à ma chaîne et à mon groupe. Comme ça, vous savez tout. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par poser mon patron sur mon tissu qui est plié en deux, donc dossé. Donc avoir un tissu dossé, c'est avoir un tissu plié en deux. Un tissu dédossé, c'est un tissu ouvert, d'accord? C'est un petit terme technique qu'on utilise dans le monde de la couture, donc au moins je vous aurais appris un petit mot. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez placé les patrons sur le tissu, bien sûr, vous venez épingler. Alors, pour épingler, ce que j'expliquais, mais que vous n'avez pas pu voir, justement, donc c'est l'épingle qui doit rentrer toujours dans le sens... je perds mes mots maintenant, du coup. Parallèle au bord. Pourquoi? Ben parce que, voilà, ici, ça va aller pour couper. Je sais pas si vous voyez bien. Par contre, si je fais ça... Mes ciseaux, ils vont couper dedans, donc ça ne va pas aller du tout. D'accord? Vous voyez la différence? Donc toujours parallèle au bord. Donc une fois que c'est fait, vous coupez votre tissu et on va venir l'assembler. C'est aussi simple que ça. Donc, que vous soyez novice ou pas dans la couture, vous allez apprendre des choses. Alors, pour ce cas-ci, on va déjà apprendre à faire une couture anglaise. Qu'est-ce que c'est une couture anglaise? C'est une couture qui ne se voit pas. Alors pour tout ce qui est voile, dentelle, des trucs transparents, il ne faut vraiment pas qu'on voit du surfilage. C'est vraiment pas joli du tout. Donc on va déjà apprendre quelque chose de technique. D'accord? Alors même si vous n'avez jamais cousu de votre vie, je vous jure, c'est à votre portée. Sincèrement, sinon je ne vous le ferai pas faire. D'accord? Donc, on va commencer tout simplement donc, sur le petit PDF. Ils mettent de coudre les épaules. D'accord? Donc, les épaules, c'est ce qui va se trouver ici. Donc, le dos avec le devant. Donc, on commence par prendre le dos. Pourquoi le dos? Parce que c'est une seule pièce. Donc, plus facile à travailler. Donc, on retire les épingles. Donc, n'oubliez pas, hein, vous mettez vraiment le dos au bord du tissu qui est plié en deux. Vous ne le coupez surtout pas et vous coupez le reste. Donc, j'ai mon dos qui fait ceci. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça, c'est le dos de mon kimono. Ensuite, j'aurai mes deux devants. Alors, maintenant, on va parler de endroit et envers du tissu. Alors, qu'est-ce que c'est un endroit et un envers? Si vous regardez sur certains tissus, parce que pas sur tous, il y en a où on ne voit pas la différence entre l'envers et le devant. Ça, c'est pas de problème. Par contre, pour certains tissus,
ça pose réellement un problème. Par exemple, s'il y a des poils, si on ne va pas dans le sens du poil, on va avoir des autres couleurs. Enfin, ça ne va pas être joli du tout. Donc, ici, mon endroit du tissu, on le reconnaît. Pourquoi? Parce que le 3D est dans cette direction-là. D'accord? Maintenant, si je viens derrière, donc là, je suis dans le dos du tissu. En temps normal, à titre d'information, on met toujours, pour une simple couture, on met toujours devant contre devant, on coud, d'accord? Pour que quand on le retourne, hop, la couture soit à l'intérieur. Ici, ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Parce que je veux une belle finition. Et vu que c'est de la dentelle, on ne va pas aller surjeter. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va venir faire envers sur envers. D'accord? Donc, on place notre tissu envers sur l'envers. Donc, en gros, on met notre vêtement comme si on l'avait porté, là, en fait. Là, c'est du blanc, donc on ne voit pas très, très bien. Mais en gros, là, on va le porter, il va être comme ça. On vient le fixer. Alors là, par contre, on va prendre les épingles et le mettre en contresens, donc en perpendiculaire par rapport au bord. D'accord? On laisse toujours minimum 1 cm qui dépasse pour avoir plus facile de les retirer lorsqu'on va passer à la machine. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, vous voyez aussi que la petite tête plus grosse est de ce côté-ci. Donc à l'extérieur du tissu, toujours. Pour avoir plus facile à le prendre. Parce que dans l'autre sens, vous allez vous piquer dans tous les sens et vous allez dire « Mais j'en ai marre, j'ai mal !» C'est le métier qui rentre. Donc, vous mettez 2, 3, 4 épingles en fonction si votre tissu bouge beaucoup ou pas. La même chose de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le bord de mes devants sur les extrémités du dos. D'accord? Pour que on puisse laisser passer là où il va avoir la tête. Donc, je vous montre ça dans 2 secondes. Je vais d'abord fixer ceci. Alors, c'est un basique de chez basique. Hein. Vous pouvez le faire en 1 million de tissus. Différent. Voilà, et donc toujours bord à bord. Donc vous voyez, une fois que ça va être piqué, ici, vous voyez, on comprend déjà le système. Donc on va venir piquer à 0,5 cm. Alors pour ceux qui ne comprennent pas du tout, c'est quoi 0,5 cm? Vous pouvez... Alors, sur les machines, on peut faire... Vous pouvez faire un peu moins que la valeur du pied presseur. En fait, 0,5, c'est vraiment ici où il y a la petite barre. Là. D'accord? Alors, ici, ma machine n'est pas montée. Donc, je vais la monter. On va venir faire une première piqûre à 0,5 cm. D'accord? Donc, on commence à coudre. On avance sur 1 cm. Pour être gentil. Vous venez faire une marche arrière. Donc, c'est sur 2-3 points en fait. Hein. Et puis, vous allez de nouveau devant. Attention avec les dentelles, ce qui est génial, c'est que ça se prend dans la canette. Donc, allez un peu plus loin. Ça vous évitera d'avoir des problèmes. Bien sûr, j'ai été trop vite. On va couper et recommencer. Donc avec les dentelles, allez toujours plus loin parce que c'est pas le plus facile à faire. On avance. On retire les épingles au fur et à mesure. C'est mieux, surtout avec des dentelles. On recule un tout petit peu et on avance.
Une fois arrivé au bout, on retourne un peu en arrière, hop. Et on coupe. Ensuite, on lève et on va pour le deuxième. Donc, de nouveau la même chose. On avance, on recule, on fait tout le long. Et à la fin, même rengaine, on va en arrière et retourne. Et on coupe. Voilà une première piqûre. Une fois que ceci est fait, vous avez des fils qui dépassent, hop, on les recoupe. Normalement, il n'y en a pas. Aïe. Avec le ciseau, c'est très bien aussi. Vous voyez au moins ce que je fais? Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va venir retourner la couture qu'on vient de faire. Et une fois retournée, hop, on va bien sortir la couture. Ouais, ça va. Oh, c'est gentil. Ouais. Ah ouais, ouais. La même chose de l'autre côté. Donc vous voyez. Alors, même pour être plus précis, vous pouvez venir recouper un petit peu dedans. Alors là, c'est parce que je vous montre la couture anglaise. Sinon, vous pouvez directement faire les sous-bras en même temps. Ah non, non, je dis des bêtises. À couper. Ok, Jordan. Donc voilà, hop. Ici, idem. On reprend. Là, je prends valeur pied presseur pour être sûr de ne pas venir remordre ici dedans et que ça fasse un truc tout moche. Donc, on avance, on va un peu en arrière et on continue. Hop. Une fois la fin. Voilà, on coupe et on va plus loin. Marche arrière. Voilà. On a déjà, donc on le met du bon côté, on a déjà un beau petit, un semblant plutôt, de petit gilet. D'accord? Alors, on est d'accord, c'est pour apprendre, hein. Ce ne sera pas la meilleure définition qui existe. Vu que ici, par exemple, on n'a déjà pas d'encolure, ce sera tout droit. Donc, forcément, on va devoir tricher un petit peu. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est vrai que dans la première vidéo, c'est carrément 4 fois tissu, en fait, hein, qu'il faut couper les manches.
Donc la même chose, on va couper du coup, on va couper. On va coudre ici du coup la longue longueur, vu que c'est la... Non, on va prendre n'importe quoi. La petite longueur, vu que c'est l'épaule. De nouveau la même chose. Couture anglaise. Donc, dos contre tissu dos contre tissu de dos. Hop. Mais la même chose, on retourne. On sort. Bien correctement la couture on recoupe. Alors, si vous avez le contraire avec que vous êtes en train de coudre la plus longue partie, c'est tout à fait plausible. C'est même certainement ce qui va arriver. Parce que moi, ici, on se rappelle bien que j'ai fait une petite manche. Une manche courte pour une petite enfant. Donc, forcément. Voilà. Une fois qu'on a ceci, donc là c'est la manche qui va venir des deux côtés. D'accord? On va venir le piquer sur le kimono en lui-même. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire aussi dos contre dos. D'accord? Les coutures vont venir se donner des bisous. Pour être simple. D'accord? Et alors on va faire correspondre les coutures. D'accord? On met un d'un côté et un de l'autre, comme ça fait moins d'épaisseur. On épingle. Même chose avec la deuxième, hein. Voilà. Donc, idem, on refait à 0,5. Avant, en retour. Voilà. Et puis dans l'autre sens. Donc pour toujours la couture anglaise. Merci.
voici déjà le petit kimono. On commence à se voir dessiner. À voir se dessiner. Je ne sais plus parler français, ça ne parle pas. Ça ne parle pas très cher. Alors, une fois que ça c'est fait, on fait la deuxième manche. C'est trop mignon. Regardez. C'est pas trop beau. Moi, je m'intéresse beaucoup, tu vois. Non, je vois ça. Donc, je vais recouper du coup un tissu, étant donné que je l'avais oublié. Donc, la même chose. On vient coudre. On vient le poser sur le tissu, donc envers contre envers. On fait bien attention surtout à ce que si la couture ici est vers le devant, voilà, que derrière ça le soit aussi. Hein. J'ai tout mis derrière. Ah, hop. Devant contre devant, les petites coutures viennent se donner des bisous. C'est pas quoi pour les plus jeunes. Deux du tissu contre deux du tissu. Ils se font la tête. Et donc ici, nous sommes en train de faire, nous allons coudre des manches à plat. Quand on vous parle de manches à plat, c'est comme ça qu'on les coud en fait. On les coud avant de coudre les sous-bras. Donc les sous-bras, comme son nom l'indique, c'est ce qui est en dessous du bras, tout simplement. C'est plus facile, comme ça, il n'y a pas d'arrondi à gérer. Je suis pas venue ici pour se faire, ok? Retourne. Ah.
fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à assembler les sous-bras. Alors, comment on va faire? Toujours la même chose. Le tissu se fait la tête au début, et puis il s'enlève. Donc, on va tout simplement les mettre à plat, d'accord, comme son nom l'indique. On va venir épingler tout le contour. Donc, le contour donc, du sous-bras. Donc, c'est la manche et puis le sous-bras. Je vous fais voir mes bras tout bedonnants. Hop. Donc, dos à dos. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc, juste les sous-bras. Alors, dans ce modèle, on pourrait retirer certaines coutures sans problème. Mais ici, c'est vraiment pour apprendre à coudre, donc on en profite. Voilà, on vient coudre comme avant, donc toujours en couture anglaise. On va venir faire tout le contour. Donc, hop, je vais enlever les points, ça va. Voilà. Bien à plat. Attention à l'angle. Donc, une fois qu'on arrive dans l'angle, hop. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'aiguille enfoncée. On vient soulever juste le pied presseur. D'où on tourne notre ouvrage. On redescend le pied presseur. Et on avance. Bon, j'espère que c'est... Personne ne l'a remarqué. Voilà, attention, parce qu'avec les dentelles, c'est pas toujours évident. On va se mettre bien mal levé. Non! Voilà, on coupe. Voilà, alors, ici on a un angle. Donc, petite complication. Quand on a un petit angle. Si on vient le retourner tout simplement, eh bien ça va bugger, clairement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient cranter, on prend le ciseau, et on vient cranter jusque au bord de la couture. Donc hop, attention, ça doit vraiment être bien au bord, mais surtout ne pas aller trop loin. Donc, vous voyez? Donc, j'ai fait un petit cran qui va permettre au tissu de pouvoir respirer, de pouvoir se retourner plus facilement. Donc, quand on le retourne, maintenant, il ne bug plus. Donc, une fois qu'on a ça, on retourne le tissu. Donc là, c'est un peu plus complexe, hein, vu qu'il y a plus de couches et déjà le reste est déjà bien cousu. Donc, hop, on ressort toutes les coutures. Donc, on ressort comme ça, on se
faisant des petits va-et-vient, des petits rouleaux de verre. Hop, on ressort et on va venir de nouveau repiquer tout autour à leur pied presseur. Ce qui va faire que notre premier côté sera terminé. Attention à l'angle. Hop, on met notre tissu bien plat pour que, une fois arrivé le pied, l'aiguille dans le tissu, on tourne. Bon, je vais pas être assez loin, bien sûr. Hop. Voilà. Et on y retourne. Donc, hop, vous aurez fait votre première petite manche. Donc, à l'endroit. Oui, on va d'abord le recranter, donc, dans l'angle. Non, ça ne respire pas. Voilà. Donc, on retourne. Ça se place bien. Donc, on a notre première petite manche de fête. Voilà. C'est pas trop mignon, vous allez me dire. Franchement. Donc, maintenant, plus que la deuxième. Donc on n'oublie pas, on crante dans l'angle, on retourne et on recourt. Vous pouvez bien sûr épingler entre chaque étape. J'avoue que comme j'ai l'habitude, j'épingle de moins en moins.
Voilà. Et voilà, on a notre petit kimono. Alors maintenant, plus que les finitions. Alors pour les finitions, soit vous faites simplement un petit ourlet, hein, donc que vous pliez sur 1 cm et vous surpliez tout le contour. Soit vous faites comme moi et vous mettez une petite finition. Alors de toute façon, même pour mettre la petite finition, on va d'abord plier et piquer pour que ce soit plus joli. Faites surtout bien partir tous les petits fils qui dépassent parce que c'est vraiment pas joli quand on a des petits fils qui dépassent. Donc ça, au fur et à mesure que vous travaillez, il ne faut pas hésiter à les faire partir. Donc, il nous reste à finir tout le contour ici, donc du devant et puis les petites manches. Alors, moi, les devants aussi, je vais mettre des petites bouboules. Donc, je vais d'abord faire un premier petit ourlet d'un centimètre et puis ensuite je mets les petites. Moi, j'ai plus ou moins l'œil, donc je le fais à l'œil. Maintenant, comment faire pour pouvoir être sûr qu'on a bien 1 cm? Mais tout simplement avec un sommomètre. Alors, le sommomètre. Donc, le sommomètre, vous pouvez le découvrir dans ma petite vidéo. Le matériel de la parfaite petite couturière que vous pouvez trouver ici au-dessus. Donc, comment on fait simplement? On vient ici au bord et hop, on plie. Vous voyez qu'il y a de 1 petit centimètre. Donc là, on est sûr d'avoir 1 centimètre. Du coup, on épingle. Hop. Alors, une fois au-dessus, il y a un petit chipotage, vous ne vous en préoccupez pas. Ce n'est pas grave si à un moment donné, vous avez un peu moins de 20 cm pour bien le finir. Pour ça que je vous disais que c'est un modèle très basique, dans le sens où il n'y a pas d'encodure, par exemple.
Il y a 13 heures. Pourquoi ils ont oublié moi? Et voici, une fois que c'est prêt, hop, on revient avec la machine à coudre et on va venir piquer le contour à la valeur du pli presseur. Un peu moins même. C'est pas la meilleure définition si on veut faire vraiment quelque chose de très fini. Hein. Là, c'est vraiment pour apprendre. Ici dans le dos, on va venir à quasi rien. C'est une surpiqûre. Voici. On a un beau petit kimono. On fait la même chose. Aux manches. Donc on fait bien attention à mettre les coutures dans le même sens. Hein. Donc vous allez avoir des trucs plus dégueulasses. Ne jamais mettre l'épingle dans la bouche. Ça m'a vu ça. Alors, pour ici, moi c'est trop petit, ça ne rentrera pas, mais sinon, pour celles qui ont les manches, vous pouvez passer la manche comme ça. Pas voir plus facile. Mais moi c'est trop petit, donc ça ne sert pas.
Voilà, la même chose que sur le fond. Non. C'est petit, mais c'est difficile. Il faut être précis. Voilà, en fait, le petit kimono est terminé. Maintenant, comme moi j'ai envie de mettre une petite fioriture, je vais venir mettre une petite bouboule. Alors, comment faire? Je vais voir d'abord si ça vaut la peine. Je vais voir si ce serait joli. Ah oui, clairement, ce serait trop beau. Donc je ne peux pas ne pas le mettre. Donc. On vient ici. Bon, d'abord, vous pouvez épingler. Hein.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon aiguille tout à gauche, comme ça sera plus facile. Au moins. C'est là. Comme ça, le petit presseur ne va pas venir tout abîmer. Mais on va venir piquer au bord.